ce que tu fais sur 625, tu es toujours présent, tu fais beaucoup d'intérêt. Alors, je trouve ça bien intéressant, Gilles. Et comme tu peux voir derrière, il y a beaucoup de citations qui appellent. Et puis, voilà, je vais te laisser gérer tout ça. Moi, pour ma part, ben, je vais quitter Rémi, puis je vais aller voir ton vidéo, puis moi, je vais aller plus loin en séquence. Je vais sûrement trouver quelqu'un avec qui échanger, avec qui prendre le QSO. J'en suis certain. Alors, je te retourne le microphone à Rémi, puis après ça, ben, tu retourneras ça à Gilles, à Catino, tout près de la capitale, à toi, Rémi. Ok, d'accord, merci pour le retour et merci là pour ces petits conseils au niveau vidéo. Et c'est vrai que là on est vraiment tous admiratifs par ce que tu fais, André, là justement là au niveau de tes vidéos, c'est vraiment vraiment hallucinant, c'est vraiment vraiment super. C'est alors quand tu regardes mes vidéos, ça que je t'entends dire là là comme tout à l'heure là ce que tu en pensais. Forcément, ça me touche hein, quand je vois là, avec quelle qualité toi là, tu fais les vidéos. Et puis quand on voit ton équipement, là, ta station, ouf, là, eh bien il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ta station. C'est, c'est tout simplement ouf. Il y a, eh bien oui, voilà. Hein. C'est ah ben pour le coup, je ne sais plus quoi dire. Retour André. La permission de Gilles, on va aller plus loin en séquence, j'ai dit, my god, laisse-moi regarder, on va aller à 605, tiens, un petit peu, 707, je crois qu'à 707, il y a plein de SM, on va aller, Rémi, si tu veux, 707 de QSM. Alors, j'ai compris 07, mais le reste de la fréquence n'est pas passé. J'ai pas compris, parce que c'est vrai que là, j'ai de la moustache là, de mon côté. Oui, 507. Si j'ai bien compris, 507, je suis pas sûr. J'ai énormément de mal à comprendre la fréquence. Là. D'un seul coup, là, la propague est baissée de mon côté. 707, ok, d'accord, ça marche. Je reviens, Gilles, à tout à l'heure. Oui, voilà, Gilles, j'ai André. Voilà, je suis sur le 27 707. Voilà, ok, je suis là en fréquence. Ouais, ok, 100%. Ben oui, parce que sur l'autre fréquence, il y a un petit peu de trafic, hein, il y a un peu de tout. Hein. Ben oui, puis toi, tu m'as donc, c'est quoi les logiciels que tu utilises, Rémi, à toi? Alors, il y a une succession de logiciels. D'un premier temps, j'utilise un petit logiciel qui me permet de convertir la vidéo qui est en point MOV en point MPEG, c'est-à-dire IVC, Internet Video Converter. Lui, il me sert juste pour la conversion du format, voilà, IVC, Internet Video Converter. Il est capable d'attraper toutes sortes de formats vidéo pour les convertir dans le format que tu as choisi. Alors, vu que voilà, là j'ai démarré une vidéo là pour le coup. Là, là je suis en train de filmer actuellement. Voilà, alors étant donné que mon appareil photo vidéo fait des photos, des vidéos très lourdes, après je fais migrer la vidéo par l'intermédiaire d'un autre programme qui s'appelle Pocket DivX Encoder. Voilà, Pocket DivX Encoder. Comme ça, ça me permet de pouvoir rétrécir la vidéo. Et en même temps, ce logiciel me permet de redimensionner la vidéo s'il y a besoin. Voilà, c'est-à-dire vraiment là, au format, la taille que je veux, hauteur, largeur. Là, je fais comme je veux avec ce logiciel. Et ça ne s'arrête pas là. Pour l'assemblage complet là, de la vidéo, alors j'utilise le logiciel propre à Windows XP, c'est-à-dire Windows Windows
Windows Movie Maker. Voilà, version complète, Windows Movie Maker. Et c'est avec ce dernier que là j'arrive à... Enfin, ce dernier. C'est avec celui-ci que j'arrive à mettre les fondus là, de transition là, entre les morceaux. Car c'est vrai que je me retrouve des fois avec 19-25 morceaux à recoller ensemble comme ça. Donc pour que ce soit un peu plus digeste, je fais le montage avec ça. Et là, donc, je me retrouve avec un fichier vidéo qui est encore assez lourd. Je le rattrape à nouveau avec IVC, Internet Vidéo Converteur. Tout est dans la vidéo, hein, là, toutes les explications là, sont dans la vidéo. Hein. Donc, pour faire maigrir à nouveau la vidéo en MP4, le format qui est justement suggéré par YouTube, qui est lui assez léger. Donc, je passe beaucoup de temps. Voilà, je passe énormément de temps. Les vidéos que je fais comme ça l'après-midi, comme là tout à l'heure, je suis même pas sûr de pouvoir les mettre en ligne le soir même. C'est, je passe énormément de temps là-dessus, quoi. André, on dirait que tu m'as perdu. Oui, ben, je sais pas si toi tu me le sens encore. Oui, le signal est beaucoup diminué. Et je vois que c'est assez ardu, hein. Tu convertis, tu fais plein de trucs. Oh my god. Ben, si tu te procurais le logiciel que j'utilise, c'est pas dispendieux, hein. Ici, c'est $89 canadiens, c'est-à-dire 40 ou $50, 50 euros. T'as pas vu d'affaires de conversion, parce que le logiciel, il y a tous les formats, complet, il y a tous les formats, et c'est pas la même façon de travailler, c'est ce que tu fais, c'est une autre manière de voir, c'est ça, c'est tous les logiciels maison, hein, alors si ça, tu prends plusieurs logiciels pour les regarder plus, c'est, mais tu pourrais, Oui, enregistrer la réunion. Par moment j'ai quelques difficultés. Ouais, affirmatif. Là, par moment j'ai un petit peu de mal. Mais enfin, si, je t'entends toujours. Hein. Ça fait des vagues, mais je t'entends toujours. Mais en tout cas, là, de mon côté, j'ai bien pris note du logiciel Adobe Premier Élément. J'ai fait une recherche sur Internet là-dessus. Et pour précision, les logiciels que j'utilise, là, c'est vrai que j'en utilise trop. Hein. J'en utilise trop, mais l'avantage que j'ai, ben, c'est le seul que j'ai d'ailleurs au niveau des logiciels que j'utilise, c'est qu'ils sont tous gratuits. Voilà, c'est tout, ils sont tous gratuits, voilà. Donc, oui, j'ai entendu la réunion qui était toujours présente. C'est vrai qu'on l'a peut-être un petit peu zappé. Désolé, la réunion des 213 à vous de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, QRZ local sur le sud-ouest d'Andy 33. Voilà, en compagnie de André qui est sur le Québec. Retour à la réunion. Ok, Rémi, la situation, il n'y a pas de problème. Il y a juste pas de prévention, il n'y a pas de soucis. Il y a une bonne 73, il y a pas de soucis, il y a un silence. Il y a un silence.
Ah, j'ai du mal à vous copier la réunion. Là, c'est j'ai une montée de moustache là de mon côté. Je retournais le micro sur André en espérant que lui ait eu une meilleure copie. Retour André. Ok, parfait Rémi. Ah oui, gardez le micro. Donc Laurent, bien le bonjour Laurent de la Réunion. Il fait tout le temps beau chez lui de la Réunion. Ben ici, ça s'est réchauffé, Laurent, ça va vite. C'est la France, en fait, de ciel bleu, mais c'est quand même froid. Les dernières semaines, on a eu des soins extrêmes. Comme ce matin, il faisait moins 22, moins 24 ce matin. Là, ça se réchauffe. Et puis toute la semaine, ça a été des semaines précédentes. Puis trois semaines, je dirais, même un mois. Température chez vous, Laurent, voilà. Et puis, il y a aussi Laurent Pascalet, 033, qui est derrière, qui attend patiemment. Voilà, on va peut-être lui donner le microphone. C'est ça, Rémi. Oui, tu dis tout le ciel, puis j'ai perdu, je t'écoutais, oh my god. Ben, il y a un début à tout, hein, mais ça te permet aussi de comprendre un peu comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est Adobe, premier élément, changer la version numéro 13, 8.32 bits ou en 64 bits. Moi, ici, je fonctionne en 64 bits. Et puis, voilà, ça permet ça. C'est pas du pendu, le ciel, hein. On peut l'avoir piraté, mais c'est une quinzaine de coups en environ, mais c'est un logiciel très, très efficace. Hein. C'est pas compliqué. Si tu connais Photoshop, c'est le même principe là, des calques. Et puis, qu'on met en avant et en arrière, transparent, pas transparent. L'écriture, c'est très facile. Tout est facile, finalement. Voilà, Rémi. Alors, je vais retourner le micro du côté du Pas-de-Calais, Laurent, pour faire ça, c'est toujours là. Ouais, ok, affirmatif. Eh bien, Photoshop, je le connais de nom. Je sais que c'est un logiciel qui est très compliqué. Alors, Adobe, s'il est pareil, eh bien, ça va pas être de la tarte. Enfin, je vais... Excusez-moi. Je vais quand même regarder là sur internet, il n'y a aucun problème, hein. Tous les renseignements sont pris, les renseignements sont filmés avec, parce que là, du coup, j'ai débranché mon appareil photo vidéo qui était en charge là pour à nouveau sur cette fréquence là pour refaire une nouvelle vidéo, la troisième d'aujourd'hui. Donc, ah oui, tiens, je saute un petit peu du coq à l'âne. Certaines personnes ont remarqué et se posent la question pourquoi de plus en plus de stations se mettent sur des fréquences à terminaison 7. C'est vrai que sur la CB, on est habitué aux fréquences à terminaison 5, à terminaison 0, mais les fréquences à terminaison 7, là on est un petit peu surpris. Pourquoi ce choix de la terminaison 7? Et tu n'es pas le seul, j'ai déjà entendu pas mal d'autres stations qui se posent la question. Sur le forum Les Ondes du Routier, comme sur Facebook, pareil, il y en a aussi qui se posent la question. On est un petit peu surpris de ce choix terminaison 7. Il y a une raison précise? Ah oui, tout à fait, il y a une raison à ça. Oui, je vais t'expliquer. Voici, c'est que nous ici, on reçoit des stations commerciales, taxi ou livreurs qui sont en FM. Puis eux, en FM, ils sont sur terminaison 5. Et puis quand on se met, nous, à terminaison 6, on est, dans 0 bit. On est dans le neuf du FM. On est encore très loin du QRM posé par le FM. Alors, on va aller sur 707, 707, 707, 747. À ce moment-là, même si les stations ça fait très peu de QRM. C'est la raison, il y a ça.
D'accord, ok. Eh bien, si c'est, ces stations commerciales sont en terminaison 5, la terminaison 0 serait peut-être, ce ne serait pas mieux, parce que terminaison 7, terminaison 5, c'est quand même très près, il doit y avoir de la moustache quand même. Ok, d'accord, d'accord, ben là maintenant, maintenant on sait pourquoi, et en écoutant cette vidéo, eh bien, les gens auront également l'explication, parce que c'est vrai que certains me disent, non, non, c'est leur matériel qui est décalé en fréquence, ce qui est tout à fait faux. Connaissant ton matériel, je vois pas comment ça pourrait être décalé en fréquence, hachis. D'accord, ok, eh bien... toi là, pourtant, j'étais persuadé que terminaison 5, terminaison 0, il allait y avoir de la moustache. T'allais quand même entendre, t'allais quand même être perturbé par, par ces stations. Et puis apparemment, non. Maintenant, tu es peut-être assez loin des grandes villes. Non, je crois pas en plus. T'es à proximité d'une grande ville en plus, il me semble. Oui, qui c'est qui a dit à plus là? Excuse-moi, on était en pleine discussion, Laurent, sur l'île de la Réunion. Tiens, juste avant que tu quittes, Laurent, sur l'île de la Réunion, comment ça se passe, la température chez vous, ça doit être très chaud, j'imagine, à toi? Ok, ben une prochaine, hein, et puis bonne soirée, parce que toi, t'es 2 heures de plus sur l'Europe, je crois, et ça passe 19h, il est 19h25, c'est bon. Ok, c'est ça, il est 20h26, ok, 100%. Ok, alors, ben merci à QSO, puis effectivement, Rémi avait un petit peu de difficulté à te recevoir. Ok, alors, à une prochaine, Laurent. Ok, je sais pas s'il parle encore. Ok, Laurent, Rémi, Laurent te salue de la Réunion. Ok, mais je l'ai entendu à peine. Hein. Et puis là, sur la fin, j'ai complètement perdu. Donc Laurent, les bandes 73, 51, toi, de 14, ODR 002, opérateur Rémi, voilà, du sud-ouest France, et bonne soirée à vous. Ok, 100%. Ah ben là, j'ai entendu. À la prochaine. Mais là, je vais aller au Pas-de-Calais, un autre Laurent. Laurent du Pas-de-Calais, vas-y. Bon, ben, t'arrives bien, Laurent. C'est du 58-59, je crois. Et puis, bonne
en radio également, avec ton nouvel appareil. Ça sonne bien. Hein. Est-ce que tu reçois, tu copies, Rémi? Je ne l'entends pas. Hein. Probablement. C'est Dundee. Dundee, Radio CB, Rémi. Bon, ben, tu connais, toi, Rémi, tu connais Laurent au Pas-de-Calais? Alors, Laurent, je connais effectivement un Laurent qui est sur le forum Les Ondes du Routier. Maintenant, est-ce que c'est le même? Je sais pas, mais de mon côté, je n'entends pas du tout. C'est bien dommage. Les bonnes sur 1351 à lui, voilà, du sud-ouest de France. Mais hélas, de mon côté, ça passe pas du tout. Ouais, ok, c'est ça. Ouais, non, il ne reçoit pas Laurent aussi également. Ouais, ben c'est Laurent 14 Alpha Lima Mike ALM 033 au Pas-de-Calais. Ouais, ben nous ici on l'entend beaucoup souvent. Il est toujours sur la radio, mais c'est ça, il est entre toi et lui, évidemment, la distance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau entre tout simplement. Ta page Facebook ou ouais c'est ça Dundee, je vais avoir un courriel toi là je vais t'envoyer ça dans le messager de Facebook le lien puis tu iras voir ça tu iras voir le logiciel je vais t'envoyer le lien en français tu vois il y a ici $79 US que ça associe le prix US. Alors, en euros, c'est moins que ça. C'est peut-être 60 euros, 70 euros. C'est pas tellement dispendieux, hein. Et puis, il y a plein de trucs là-dedans. Puis, peut-être que vu que Dan, tu sembles aimer faire du montage vidéo, eh bien, laisser tomber des trucs gratuits. Puis, c'est peut-être du dollar bien, bien investi, Rémi, à toi. OK. Ça fait quand même une somme. Non, mais je regardais. Oui, voilà, c'est reparti pour une nouvelle petite vidéo. Donc, oui, j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Il n'y a pas de problème. Donc, au montage, ce que tu as dit, là, je le couperai, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a des trucs... Je filtre énormément sur mes vidéos. C'est pour ça que des fois, sur certaines vidéos, on trouve facilement 19, 25 même morceaux de vidéos accolés aux uns aux autres. Parce que je filtre énormément, je censure énormément. Je fais la vidéo pour promouvoir, redynamiser la CB au niveau de la France, certes, mais certainement pas pour mettre les gens dans l'embarras. C'est pour ça que je recoupe énormément comme ça, quoi. Surtout du côté des vidéos en AM. Car là, c'est plus les routiers. Et je filtre énormément car il est hors de question qu'ils ont des ennuis avec mes vidéos. Bon, au niveau des stations BDU aussi. Mais ce genre de problème, je le vois plus du côté de la haine. C'est pour ça que je filtre davantage de ce côté-là. Mais là, il n'y a pas de problème au montage. Ce que tu m'as dit sera coupé. Il n'y a pas de souci. Ben oui, puis entre-temps que tu l'installes et tout, comment dire, donc, il y a beaucoup de vidéos hein, qui expliquent comment ils fonctionnent. Sur le site d'Adobe ou juste sur YouTube, tu as juste à écrire Adobe Premiere Elementaire Tutorial, TUTORIAL, puis généralement c'est en anglais, mais il doit y avoir des tutoriels en français. Est-ce que tu comprends l'anglais, Rémi? Non, hélas, je suis très feignant du côté des langues étrangères. Pardonne-moi, je connais absolument pas du tout l'anglais, c'est bien dommage. Dans mon travail, ça me joue des tours parce que c'est vrai que des fois j'en ai besoin. Car bon, côté professionnel, je suis agent de sécurité.
Donc c'est vrai que des fois je suis amené à voir des personnes étrangères en face de moi et tout, et hélas, non, je comprends absolument pas grand chose, pour pas dire pas du tout le, du côté de l'anglais. Oui, c'est ça. Je vais pas te voir dans quelle langue il est, mais le crack en question, mais tu te feras aider par quelqu'un qui est bilingue, hein? Et puis, ben ici, au Québec, on n'a pas de mérite, hein? On est bilingue, on n'a pas le choix, on est entouré d'anglophones. On est juste une petite poignée dans un océan d'anglophones. Voilà. Alors, on est généralement, pas que des Québécois qui sont bilingues, mais très peu, hein, de moins en moins. Voilà, ben ok, ben je vais renvoyer toute l'information via la messagerie, et puis, ben tu feras tes choix, ben c'est ça, tu vas apprécier ce logiciel, Rémi, à toi. J'ai pas compris, tu me demandes quoi, là, sur la fin? Tu me demandes, le ciel, tu me demandes, non, j'ai pas compris, peux-tu me revenir pour la question que tu m'as posée sur la fin? Ah, je t'ai pas posé de question, j'ai dit que tu vas apprécier ce logiciel, Rémi, à toi. Oui, désolé, je vais avoir les oreilles un peu bouchées. Logiciel, le lot du début du mot, mais pas passé aux oreilles. C'est pas grave. Non, mais c'est sûr que là, je vais le regarder de très près, hein, c'est sûr. Hein. C'est certain que, oui, je vais le regarder de très près. Hein. Parce que, bon, on a tous les deux le même but, intéresser un maximum de monde à revenir, ou tout simplement à venir à la radio, hein, que ça soit Sibi ou alors pour après, vers le radioamateurisme, pour ceux qui le souhaitent. Non, bon, peu importe, hein, de toute façon, la base reste la même quand même, hein, c'est-à-dire le plaisir de communiquer par les ondes. Oui, le but est la même, oui, tout à fait. Et puis, tout à fait. Je t'ai envoyé une coupe de lien, là, sur la messagerie. Et puis, ben, ok, écoute, Rémi, je vais te laisser, parce qu'il est midi moins quelques. J'ai des trucs à faire, j'ai fait un petit peu trop de réseau par rapport à ce que je m'étais prévu de faire. Alors, je vais te laisser sur ce. Ça a été un réseau tellement intéressant. Salut Laurent, qui est derrière, probablement, qui est une autre station. Ben, je vais souffler la chandelle, et puis je m'en vais dans mon atelier, puis je vais t'envoyer une coupe de lien, et puis tu regarderas ça. Et puis, si tu as des questions, à un moment donné, ben, tu ne gênes pas. On pourrait aller soit via la messagerie ou sur Skype, et puis je pourrais donner plus d'explications. Alors, en attendant, ben, bonne journée, et puis amuse-toi bien sur la radio, puis je vais aller regarder ton vidéo. J'ai hâte de quitter pour regarder ton vidéo. Ok, bye-bye, Rémi. Merci beaucoup pour ce petit QSO. Alors pour le final, eh ben nous ici, il est 6h-25 PM. Voilà, et on a une température de 20 degrés avec un superbe soleil. Voilà, donc les bandes sur 13, 51 à toi André, de la part de 14 ODR 002, opérateur Rémi, QRZ local sur le sud-ouest, Dandy 33, qui coupe les émissions. Et bon après-midi à toi André. Et merci pour ce QSO et toutes ces informations, et j'attends la suite sur par message perso, bien entendu. Merci, au revoir. C'est la messagerie, c'est pas le courriel, c'est la messagerie Facebook. Je t'envoie ça là-dedans. Là. Oui, bien sûr, affirmatif, hein, c'est ce que je voulais dire. Voilà, bonne journée à toi et bon appétit pour tout à l'heure. Ok, bye bye, toi aussi, hein. Bonne soirée et puis au plaisir, bye bye. Merci, bye bye.